L'installation de la haute cuisinière Sahali de Braun est rapide, facile et ne requiert qu'une seule personne. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires. Ruban mesuré, tournevis Phillips et tournevis plat, perceuse, mèche de 1/8 de pouce, mèche de 7/64 de pouce, mèche de 3/8 de pouce et 6 emporte-pièces de 1 pouce et demi, 6 sauteuses, 6 ailes à tôle, pince, ruban adhésif de métal, ciseaux, crayons, pince à dénuder, serre-fil et équipement de protection. Commencez par retirer les filtres à graisse. Enlevez ensuite les vis reliant l'adaptateur volet à la hotte, le sac de pièces ainsi que l'adaptateur volet se trouvant à l'intérieur. Retirez le couvercle du compartiment électrique, la plaque pour conduiron et l'ouverture préamorcée du câble d'alimentation électrique. Le raccordement de votre hotte peut être fait de 4 façons: vertical, horizontal, rond et sans conduit. Pour une installation verticale avec l'adaptateur volet, enlevez l'ouverture préamorcée de 3 pouces et quart du dessus de la hotte. Pour une installation horizontale, enlevez l'ouverture préamorcée rectangulaire derrière la hotte. Pour une installation verticale avec conduit rond, enlevez l'ouverture préamorcée ronde du dessus de la hotte. Fixez la plaque de conduit rond à la hotte avec du ruban adhésif de métal, en vous assurant que le joint est étanche. Pour une installation sans conduit, enlevez simplement les 3 vis et la plaque de la grille de recirculation. Aucune autre ouverture préamorcée ne doit être enlevée pour une installation sans conduit. Utilisez le gabarit inclus pour marquer le dessous de l'armoire. Mesurez et tracez la ligne de centre de la hotte, puis alignez le gabarit. Si l'armoire a un fond en retrait, pliez le gabarit à la même épaisseur du bord de l'armoire. Percez un trou d'un 1/8 de pouce au point A du gabarit pour passer le câble électrique de la maison. Utilisez un crayon pointu ou une mèche 1/8 de pouce pour marquer les repères délimitant le trou d'accès du conduit. Retirez le gabarit. Reliez les points pour tracer le contour du trou d'accès du conduit. Percez un trou de 3/8 de pouce sur un des points le long de la ligne pour y insérer la lame de la scie sauteuse et découper l'ouverture. Pour l'installation, utilisez les supports Easy One. 4 supports sont inclus, 2 pour les armoires avec fond en retrait et 2 pour les armoires avec fond égal. Les supports sont gravés pour indiquer de quel côté les placer. Tenez le support contre le dessous de l'armoire en vous assurant que son extrémité est bien appuyée contre le mur et marquez 3 trous de vis. À l'aide d'une mèche de 7/64 de pouce, percez les trous où ils sont indiqués. Fixez les supports à l'aide des vis à bois fournis. Attachez le serre-fil à la hotte et faites passer le câble d'alimentation électrique. Glissez simplement la hotte sur les supports Easy One qui la maintiendront en place le temps que vous finissiez de l'installer. Pour une installation de conduit ou d'électricité par l'arrière de la hotte, utilisez les supports Easy One arrière pour soutenir temporairement la hotte pendant que vous raccordez les fils ou le conduit. Accrochez la hotte au support par les trous enfoncés qui sont situés sur le dessus à l'avant. Fixez la hotte au support en vous servant des 4 vis incluses. Connectez le câble électrique au fil de la hotte en raccordant le noir avec le noir, le blanc avec le blanc et le vert ou le fil dénudé à la vis verte de la mise à la terre. Remettez le couvercle du compartiment électrique et fixez-le à la hotte à l'aide de sa vis de retenue. Replacez les filtres à graisse. Pour une installation sans conduit, vous devrez vous procurer des filtres correspondants auprès d'un détaillant local et de les installer selon les directives. Votre hotte de cuisinière Sahali de Braun est maintenant prête à l'utilisation.